Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 28 décembre 2019. Fomi Armstrong, Sanda, Good TV. Good evening, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, health workers saving lives from the cholera outbreak in the Bakassi Peninsula in the Indian Division of the Southwest Region of Cameroon share a high risk of being contaminated in an environment described as difficult. Derek Jato made that journey to the Indian Division and will be telling you more in this edition of the news. And equally, His Lordship Michael Bibi is the new Apostolic Administrator of the Buea Diocese. He takes over from His Lordship Emmanuel Bushu, who goes on retirement. This and more will make up this edition of the news. De ce journal, à quelques jours de l'arrivée d'une nouvelle mission d'inspection de la CAF au Cameroun, les infrastructures sportives devront abriter le CHAN 2020 et la CAN 2021 piétinent toujours et l'attribution de la suite des travaux à la société Nagil Construction n'a en rien amélioré la situation. Le patron des sports a visité ce jour quelques chantiers dans la ville de Yaoundé. Les principales recommandations du professeur Narcisse Louis Combi à suivre au cœur de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons le calvaire des populations de Bimbia, dont la région du sud-ouest, les routes en piteux état freinent considérablement le développement des activités économiques et même agricoles dans une localité dotée d'un fort potentiel touristique, les marchés séculaires. Des esclaves croupissent dans l'abandon. La carte postale de Bimbia, dotée de symboles, dans ce reportage que signent Farel Bounia et Jean-Paul Chouniat. Au village Bimbia, dans l'arrondissement de Limbé 3e, les routes sont dans un état de délabrement qui freine les activités agricoles et économiques indispensables à l'épanouissement des populations et le développement de cette localité aux atouts touristiques inexploités, voire négligés. Premier point d'attraction, le marché séculaire des esclaves à l'abandon. La route qui y mène est un véritable chemin de croix en saison de pluie. Des manques à gagner considérables pour le tourisme local. Le marché des esclaves pouvait générer des devises pour notre municipalité, mais la route est très abîmée. Le gouvernement a promis de l'aménager, mais en vain, nous en souffrons trop. Voici la saison sèche. Les touristes viendront du monde entier visiter le marché des esclaves. Où est la route? Deuxième obstacle à l'expansion de l'activité économique de Bimbia, l'accès au marché de Mabeta, localité où sont pêchés plus de 50% des crevettes et écrevisses du Cameroun au large des côtes de l'océan Atlantique. Toutes les crevettes du Cameroun viennent d'ici. Mais quand il pleut, elles se déversent dans la boue et parviennent ici deux jours après. Avec une mauvaise route, les véhicules n'arrivent pas à Mabeta. Les crevettes sont transférées au Nigeria à notre détriment. Selon les notabilités traditionnelles du coin, le marché de bitumage de la route principale de Bimbia a été passé en 2017 à un adjudicataire et homme politique du RDPC, le parti au pouvoir. Ils ont construit ce hangar que vous voyez là pour stocker leurs équipements. De septembre à novembre, rien n'a bougé. Si vous sondez les habitants de Limbé 3, ils vous diront ne plus avoir confiance au RDPC à cause de cette route. Pour justifier l'abandon du chantier, le prestataire évoquait l'insécurité dans la zone. Une raison qui ne tient pas la route au regard de la concentration des unités d'élite de forces de défense à Bimbia. La zone est sécurisée. Aucun incident ni une attaque à main armée n'a été enregistré ici. Pourquoi le prestataire fait dans la fuite en avant? À moins de 2 mois et demi des législatives et municipales de février 2020, le chef de Dikolo Village met en garde le parti RDPC, à qui Bimbia a tout donné depuis 2007. Voilà les élections de février. The population here is very, 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 very angry. Angry with who?
with the CPDM government. Very soon they will flex their muscles to come here. Bientôt c'est la campagne. Ils débarqueront ici pour entonner de fausses promesses. Une fois les suffrages obtenus, ils nous jettent des fausses oubliettes. Village 7 chargé de symboles. La petite cité historique de Bimbia connaît les mêmes problèmes de développement que d'autres localités du pays. Enclavement, déficit de soins de santé, défaut d'accès à l'eau courante et l'électricité et le manque d'infrastructures d'envergure. Et face à l'enclavement des principaux bassins de production agricole au Cameroun, les producteurs et agriculteurs saisissent l'occasion du mini-comice agro-pastoral du centre pour attirer l'attention des pouvoirs publics. En réponse, le gouvernement leur demande de s'associer en coopérative pour pouvoir donc bénéficier des appuis. Le reportage de Marcelin Gonsop et Élisée Borba. À l'esplanade du stade Amadou Ahidjo, les producteurs venus de l'arrière-pays ont exposé le fruit de leur dû labeur. Preuve qu'avec un peu de soutien, la terre est capable de merveilles. Hélas, d'une année à l'autre, les plaintes sont quasiment les mêmes. On a trop de difficultés quand on travaille. On n'arrive pas à évacuer nos marchandises quand on a déjà réussi. Et pour bien même réussir, on n'a pas l'argent pour acheter les engrais, les trucs pour qu'on doit réussir et bien vendre. Tu souffres en brousse, mais on vient arracher à un prix bas. Et ce n'est pas tout. Les producteurs sont mal compris. Ils sont mal entretenus et ils sont mal organisés. Ils ne maîtrisent pas beaucoup les étiquettes thermiques. Cette agriculture où les gouvernants taxent les producteurs devant du pied, des gens au youyou, non. Tous les pays développés respectent le producteur. Pourquoi il faut primer un footballeur qui est payé pour jouer son football? Le ballon est conçu de quoi? De l'autre côté, cuir, autre côté, EVA. Tout ça, c'est la production agro. Quand il finit, il monte ici, le chef d'État le reçoit. Il lui donne même les éloges. Le producteur qui fait ça, rien. Une pluie de doléances et de récriminations adressées au gouvernement, ici représenté par la ministre déléguée à l'agriculture. Depuis au moins 10 ans, le MINADER décentralise au moins 7 milliards chaque année pour les pistes agricoles, les ponceaux, tout ce qui est casse communautaire, les postes agricoles, tout l'appui à la base des infrastructures, les magasins de stockage, pour que les maires qui vous connaissent le mieux puissent être là pour suivre vos activités. Et cette activité de décentralisation à la base va aller en s'accentuant. Elle va ensuite inviter les producteurs à mieux s'organiser pour bénéficier de l'accompagnement des pouvoirs publics et ainsi améliorer leur rendement. Parce qu'il y a beaucoup de challenges. Le challenge de l'industrialisation. L'industrialisation passe par une production en quantité et en qualité et régulière pour que les industries puissent transformer, qu'ils ne puissent pas fonctionner un jour sur deux parce qu'il n'y a pas une bonne matière première. Et s'organiser en coopérative et en filière pour qu'ils puissent minimiser les coûts et être compétitifs sur les marchés. Ce mini-comice agro-pastoral a au moins le mérite de permettre aux producteurs et aux consommateurs d'envisager d'agréables fêtes de fin d'année. Les jeunes, la terre ne ment pas. Allez dans l'agriculture, semez un grain de maïs, vous aurez un épi de maïs. L'appui constant aux producteurs et le désenclavement des bassins de production restent les défis à relever pour tirer avantage de ce riche potentiel. Et toujours dans ce chapitre, le gouvernement ambitionne de mieux valoriser la filière maïs, manioc et sorgho. Le ministre de l'Agriculture entend ainsi mettre à la disposition de ses producteurs des semences et même des matières premières afin d'accroître leur production. C'est du moins ce qui ressort de la 7e session du projet d'investissement et développement du marché agricole. Le compte rendu de Joël Essengue et de Guy Zogo. Encore plus de manioc, maïs et sorgho, voilà la mission que poursuit le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles PIDMA, mis en place au Cameroun depuis 2015. Avec la tenue de la 7e session de son comité de pilotage, le gouvernement note la bonne tenue du volet semencier, même si des améliorations sont encore à effectuer. Dans notre évolution favorable du volet semences, dont les activités ont permis de répondre aux besoins spécifiques en semences de qualité des coopératives du projet PIDMA. Mais ce volet doit encore être renforcé, car le besoin en semences certifiées de maïs s'évalue à 30 000 tonnes par an. Il en est aussi de même, toujours d'après lui, du volet nutrition. Les activités du volet nutrition, financées par le don japonais, se montrent toujours prometteuses avec un taux d'exécution
qui est passé de 48% à 70%. À l'heure de l'examen des performances du PITMA, après 5 années d'activité, le comité de pilotage s'est fait une idée précise sur ses actions. À la 5e année donc du PITMA, il fallait faire une évaluation pour se rendre compte que le partenaire technique et financier et le gouvernement du Cameroun ont conclu un avancement moyennement satisfaisant du projet. En langage facile, ça suppose que si vous avez eu le bac, vous avez eu le bac avec la mention assez bien. Et sur le terrain, des cas concrets sont relevés avec en exergue le bitumage actuel de la route Evodoula-Ndom. 72 coopératives ont mis des investissements en place de plus de 13 milliards de francs CFA. Le gouvernement du Cameroun a entrepris la réhabilitation et le désenclavement des bassins de production pour environ 20 milliards de francs CFA. Quant aux perspectives, elles ne sont pas exemptes de difficultés, notamment au sujet des fonds de contrepartie qui restent à mieux mettre en route. La période d'extension du projet sera mise à profit pour mettre l'accent sur la capitalisation et la valorisation des acquis. Un bien grand challenge à relever d'ici juillet 2021, date de la fin de ce projet. Et dans un tout autre registre à présent, plus d'une semaine après les fortes pluies qui ont détruit plusieurs salles de classe au lycée bilingue de Sodiko à Bonabiri, dans le 4e arrondissement, les travaux de réfection n'ont toujours pas démarré jusqu'ici. La situation préoccupe les responsables. Ils interpellent les pouvoirs publics à agir dans l'urgence afin d'éviter que les élèves ne suivent des cours en plein air à la rentrée du 2e trimestre. Le reportage de Robert Moukoubé, Isabelle Carole Zopet. Des salles de classe en plein air, des tables bancs à découvert, le lycée bilingue de Sodiko est sinistré. Depuis une semaine, une pluie mêlée de vent a arraché toiture et détruit ce qui sert de bâtiment dans cet établissement construit en bonne partie en matériaux provisoires. I don't know what the children will come back. Je ne sais pas comment on va faire and if this is not taken up within the 2 weeks that we are on holidays. We want to thank God that children had gone on holidays. Devant les dégâts des intempéries, le personnel enseignant, la communauté éducative de cet établissement situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala est sans voix. Tout ce qu'on veut à présent, c'est construire ces salles de classe. Je supplie tout le monde, la population, les autorités, de nous venir en aide. Parce qu'en janvier, nos élèves doivent regagner leur salle de classe. Cette situation nous met vraiment mal à l'aise. La rentrée scolaire pour le compte du 2e trimestre est prévue le 6 janvier 2020, mais au lycée bilingue de Sodiko, cette reprise est incertaine pour un bon nombre d'élèves, lesquels croisent les doigts dans l'attente d'une action urgente des pouvoirs publics. Et malgré la reprise du chantier par l'entreprise canadienne McGill Construction, les travaux de construction du complexe sportif d'Olympia Yaoundé n'évoluent toujours pas. Le ministre des Sports s'en est rendu compte ce samedi à Yaoundé en prélude à l'arrivée d'une nouvelle mission d'inspection de la CAF au Cameroun. Narcisse Mouelé-Combi a visité ce jour certains chantiers devant abriter la CAN, le CHAN 2020 ainsi que la CAN 2021. Le reportage de Aïe Cyril. Des cadres de Piccini encore aperçus à Olembe. C'est la preuve que l'entreprise italienne continue d'offrir son expertise malgré la reprise du chantier par le groupe canadien McGill Construction. Mais sur le site, pas grand-chose n'évolue fondamentalement. En visite à Olembe, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a pu se rendre compte que ce qui servira de pelouse reste envahi par du gravier et une motte de sable. Un seul engin est en mouvement, alors que les autres sont parqués dans un coin. L'entrée principale du stade Paul Biya laisse encore à désirer, tandis que le centre commercial tarde à montrer son vrai visage. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'un coup d'accélérateur soit donné. Je pense que nous ne perdons rien à aller vite. Il y a le timing que nous devons respecter, mais si nous pouvons aller vite pour que nous ne soyons pas surpris à la dernière minute, ce serait une très bonne chose. Petite satisfaction tout de même, le stade annexe d'Olembe où la pelouse est verdoyante. Narcisse Mouelé-Combi s'est également rendu au complexe Béac du quartier Van à Yaoundé. Ici, l'entreprise Atlas International est chargée de faire la pelouse et les vestiaires. Mais faute de moyens, les travaux démarrent à peine.
Un mois après avoir été piqué, le gazon reçoit de l'eau. Un booster pour nous motiver, pour qu'on mette d'abord les intérêts de l'État avant et les intérêts égoïstes et personnels après. Donc je pense que la direction du tournoi, c'est aussi l'interface de la CAF ainsi que la commission technique, raison pour laquelle nous devons mobiliser nos énergies pour que nous ayons le même focus. Prochaine étape du périple du MINCEP, le stade militaire. Rien à signaler ici. Tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est le cas également au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, la nouvelle salle de presse n'est pas encore équipée. Le premier bateau transportant les meubles importés est encore attendu. Par contre, dans un magasin au sous-sol du stade, l'on peut apercevoir un important stock de matériel de bureau et de rechange, à l'instar des réfrigérateurs, des gaules, des fontaines et bien d'autres. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique achève le tour du propriétaire par une séance de travail avec la direction du tournoi CHAN 2020. Séance qui arrive avant une énième visite des inspecteurs de la CAF attendue à Yaoundé dans les prochains jours. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Amsransa. Nadine Yambo, thanks very much. We are also joining us in a second segment of news in the English language. We begin with one of our lead stories, taking you to the Bakassi Peninsula in the Indian Division of the Southwest Region of Cameroon, where health workers working to save lives from the cholera outbreak in that peninsula of the Southwest Region of Cameroon stand the risk of being contaminated by cholera. Recently, the Southwest Regional Delegate of Public Health, in a visit to the cholera-stricken division of the Southwest Region of Cameroon, had an accident, as Derek Jato reports. The voice of the Southwest Regional Delegate of Public Health. He just fell into the water. The small fishing boat carrying him and his delegation to the shore of Edabatu hit an object and emptied its content some 100 meters from the shore. Come this way. The tides are low, but with the sea level slightly above the waist, and the fast current with it can carry into the sea too many people at a go. The time of the accident too is giving the sea and its forces an edge over us. You don't know that. Wait. The health mission to contain the cholera epidemic in Bakassi might be getting more costly. Tete, the name of the captain, is giving instructions on what we must do at the moment. But unfortunately, he is doing so in his own language. Dr. Ebongo Zakeos Nanje, the Southwest Regional Delegate of Public Health, begged Tete to even give the instructions in Pidgin English, for the waves are coming and very fast. Light is spotted from a distance, and to this reporter, that is the shore. He head towards that direction. To him, that was the way out. But unfortunately, hey! Oga! It's getting deeper here. After 20 minutes, Tete took the regional delegate and his delegation out through a track. The next day in the morning, the health team met face to face with agent of cholera. It is morning at the shore of Edabatu. The villagers are surrounding everywhere with their excreter. They don't have toilet here. One has just deposited. A mother walked past and met us away to use the same water. Elsewhere, still along the shoreline, it is time for a mother to give her son a morning cleanup. And others are carrying the same water back home. The sea is the only source of water. The boat to carry the regional delegate out of Edabatu is being pulled in that same water. But to get out of here, the Southwest Regional Delegate of Public Health must remove his shoes, stand in that same water, and play the role of a crew member of this boat to enable him take off for safety. We are on our way back from Edabatu in the Bakassi Peninsula. The cholera epidemic is still there. The intervention from the Southwest Regional Delegation of Public Health is far from winning the
Traders of the Bent Econo Market in the 5th subdivision of the nation's political capital, Yaoundé, have continued to remove the few things left of their shops and goods reduced to ashes in a fire and incident recorded in that market lately, as you hear in the following report. At the Bent Econo Market in the Yaoundé 5th subdivision, what keeps traders henceforth busy is cleaning and gathering what is left of their goods, reduced to ashes. She says everything in her shop has been reduced to nothing by the fire incident. As after the ravaging fire incident, this trader finds it hard to recognize his shop, which has been reduced to a burning wood by the flames. This container resisted the flames, but its content, comprising jewelries and cosmetic products, could not. How to reimburse loans is the major equation to be solved by most of the traders in the Econo market. They blame the construction of the market, basically with makeshift structures. The auxiliary bishop of the Bamenda Diocese, His Lordship Michael Bibi, has been appointed as apostolic administrator of the Boya Diocese in the southwest region of Cameroon. His appointment letter was read today, that is Saturday, at the cathedral by the outgoing bishop Emmanuel Bushu of the Diocese of Boya. Michael Bibi, from the moment of the reading, takes charge of the activities of the Diocese of Boya while visiting for Vatican appointment or waiting for Vatican's appointment of another bishop of the Diocese of Boya. In the following excerpt, Chikan Gabriel, a Catholic Christian, said Bishop Emmanuel Bushu has done his job as a devoted man of God at the helm of the Boya Diocese and deserves rest. Amen. To talking to Equinox, and I'm happy you're here. I'm a Catholic Christian from my baptism to present day. And I must say, I've been for Bishop Emmanuel Bushu quite a long time back as a young secondary school boy, 1977, when he taught us in high school. He taught me history in this Bishop Regan College. This is the kind of man I knew who was very, very prayerful. He taught us to be prayerful and assiduous in prayers. He equally taught us how to be very, very flexible in our decisions. In other words, he is the kind of person who has led a lot of things go, not just for the sake of letting them go, but because he believed that every human being was meant to use his freedom and use his freedom rightly. So I think Bishop Bushu deserves this rest. He deserves that. He's done well. Gabriel Njikang, a Catholic Christian of Boya, was speaking to Derek Jato in Boya, and equally in Bamenda, the bishop, that is the auxiliary bishop, who is now the administrator, the apostolic administrator of the Boya Diocese, equally expressed gratitude and thanks to God for his appointment. Listen to him in the following excerpt. Every appointment is an opportunity for us to thank God for giving us the opportunity to serve in his church. And I want to thank God for choosing me to be the apostolic administrator in the Diocese of Boya. Bishop Emmanuel Bushu reached the age of retirement and according to canon law, wrote to the Holy Father, you know, asking for resignation. The resignation has been accepted, and I happen to be the one that has been chosen to go down to the Diocese of Boya in order to take over from him until when they will have their local ordinary. So I want to thank God for choosing me, sinful and unworthy as I am, to be able to carry out that responsibility. And I know, of course, that
being the auxiliary bishop of Bamenda for this length of time and going to Boyana as apostolic administrator will give me the opportunity to continue to see how I can serve the people of Boya and the people of Bamenda until when the Holy Father again will appoint the Bishop of Boya. So as of now, I thank God and I know that if I'm chosen to be the apostolic administrator to administer the diocese on behalf of the Holy Father, it is a responsibility that I'm not to carry out alone. We have priests in the diocese of Boya, we have religious, we have the lay faithful of the ecclesiastical province of Bamenda, and we also have Christians of the ecclesiastical province of Bamenda and Cameroon as a whole, that I know that will pray for me, that will support me, so that together we can see how we continue the work that the Bishop Emeritus Emmanuel Bushu has been doing in Boya, so that the people of God may continue to grow in their faith. And the Mike BB equally spoke of the man Emmanuel Bushu, who is now on retirement. I'm sure if the Holy Father decided to maintain me as Auxiliary Bishop of Bamenda and at the same time appointed me as a Apostolic Administrator in the Diocese of Boya, he knows of course that it will entail a lot of movement. There are programs I have in Bamenda that I have to accomplish. At the same time, there are programs that I have to meet in Boya that I'll be able to accomplish it. I know it will be a lot of movement, but I'm sure God is there to give us the strength. And all I pray for is that God should give me good health, should give me the strength that I need, so that either in Bamenda or Boya, wherever my services will be demanded, I should be able to render it and render it faithfully. Bishop Emeritus of Boya, Emmanuel Bushu, he has been doing a lot of work there as he took over from Bishop Pius Awa. And I think I just have to go and continue in their footsteps to see how, what pastoral programs they have, what spiritual programs they have, you know, and I put all their projects and all what they are doing, I put everything together, and working together with the priests, the religious and the laity, and in consultation with the fellow bishops of the province and other people who have goodwill for the Diocese of Boya, I am sure I'll be able to render services, you know, according to the mind of the church. He was speaking to our colleagues, journalists in Bamenda, chieftain of the northwest region of Cameroon. And now on to something else, the general evaluation of Cameroon's economy and social sphere by Cameroonians at this end of the year 2019 is said to be alarming. According to most Cameroonians, the country has received a serious blow on its economy, notably with the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon affecting badly the purchasing power of Cameroonians. Hemine Luga tells us more in the following report. For the past 3 years and more, in the far north region and in the northwest and southwest regions, Cameroon has toiled in socio-political and political instabilities, which has upset the normal functioning of the country. One of the greatly hit sectors in the country has been its economy, which cuts across all domains and has been felt by lots of Cameroonians. Begin to not be the go school, no chop self from up at the back. Now only the brother, the helen, my grandma, me there for housing. Where go carry, bring her, there house where the city that for. Chop self we need, get and only the brother, you go market, buy 1 liter oil, cut her into 2. Give me some more. From schools to restoration sites to the destruction of infrastructures, as recorded in the northwest and southwest regions, as well as the far north, region challenged with the Boko Haram attacks, Cameroonians have it, all these upheavals have fragilized the country. 2019 have been a year where the country have suffered a lot economically because the lot of people who were farmers
some of the, especially in the troubled Anglophone zone, have run, so have gone to bush, that abandoned their houses, that abandoned their farms, abandoned their crops. And then you see a company like CDC, which is the second employment after government, already devastating. There was all workers, they were not there. The company moved down right up to almost 15%, zero in their economic budgeting. De manière globale, ça a été pour moi une année d'action. On a vu sur le plan individuel beaucoup de réalisations. Et puis sur le plan aussi, même collectif, quand je vois les travaux publics, la ville de Douala pratiquement a vu son réseau routier s'agrandir un peu partout, soit à Bépanda, à Niebel, on a vu les drones qu'on a mis, on a vu les pavés et tout le reste. Foodstuffs, for instance, according to traders, is hard to get, as they note the fact that huge farm produce providers from the northwest and southwest regions, for instance, have abandoned their farmlands due to the socio-political upheavals, and as such, making food become expensive in local markets. More so, the hold-up at the Cameroon's Development Corporation, the CDC, among other sectors, which has made jobless some Cameroonians as it's now, leaving much to be desired in the job market. With the new year popping up, Cameroonians expect most of such challenges to be resolved before things get worse. Forces of law and order in the city of Douala and the littoral region in general have introduced special security measures to protect civilians and their goods this festive period, considered as a high security risk period. Intense patrol by the forces of law and order was introduced on December the 24th, 2019, and is expected to run till January the 2020. To protect people in the city of Douala. Simanjikan Gabriel followed one of the patrol teams in one of their outings in the city of Douala and compiled the following report. The operational center of the national security in Bonanjo was the most busiest room on the eve of the Feast of Nativity. It is from here that information is given to the team of security forces on the field. It's one of the routine activities for us on a special day like this. We have the phone receptionist who just had a distress call. He has taken down the vital points which will be later transmitted to the team on the ground for action. Les appareils émetteurs récepteurs que nous utilisons sur le terrain. À partir de notre base, nous envoyons le signal dans le secteur correspondant. Out of the office, it's time for the last minute instructions given by the head of public security department to the security team that is expected to patrol throughout the night. Pour ce soir, vous savez qu'on a mis un dispositif. This evening, we have put up a solid team that will enable us to cover all zones, including churches, and ensure a quiet celebration. Déployer l'ensemble des équipes pour encadrer et sécuriser les réjouissances populaires, la tenue des points chauds. Knowing how tense eves of big feasts are in Douala, a crack team was supposed to be prepared. Ça, c'est les équipes, l'appui-feu de la région du littoral, l'appui-feu la plus représentative, qui va donc mettre leur batterie en marche pour cette nuit. Immediately, final instructions were given. The crack team had a first intervention to make at Bonaprizo, around La Falaise, where a bandit attempted making away with the telephone of a civilian. Since it's a feasting time, I was hanging out with my friend, and they came from behind with a motorcycle. The security forces on the ground had already done some work before the crack team arrived. Sur un malfrat. We have arrested a thief who tried to steal from an honest citizen who was catching phone along the streets of Bonaprizo. It's a member of the patrol team of the GMI in civilian attire that caught him. Il a fait appel aux autres patrouilles environnantes qui sont immédiatement mobilisées sur les lieux. From Bonaprizo, the next stop over was at Yupwe, where a young man attacked another man
over a woman. They have been having secret affairs for a long time now. Je vis depuis 11 for 11 years, I have been with this lady and we have a child who is 10 years of age now. When I go to work for more than 1 year now, she has been cheating on me with a young man in the neighborhood. After I became aware of the issue, she left my house and began staying with the young man. This night, I was with my kid brother at a joint. They started attacking me. Ils ont commencé à m'agresser. Il est parti chez lui sortir avec un long poignard. As a result of the end of year celebration, special instructions were given to the crack team on how to deal with the population. We had several teams outside, a specialized one in civilian attire. All that you saw here is the work of the specialized team. The population has no reason to be afraid of us because we are working to protect them. In line with instructions from the delegate of national security. As the midnight patrol team continued its work around the Orthodox Church, precisely at the Deux Églises neighborhood, it was a man who came out from a motel only to discover that his commission motorcycle was stolen. The people around where the incident occurred were all arrested and taken to the police station. At Bonaberry in the Douala 4 municipality, the atmosphere was very calm as compared to other areas where we visited throughout the night, even though some cases were recorded. Tout est calme. All is calm. I can see the feast is very timid. The security report reads, one fight and a mob justice. At Valley Besenge, it was an alleged bandit with a long machete who was shot on the leg with a plastic bullet. We were told they had earlier attacked some civilians, and when they had echoes of the arrival of the crack team, they were about escaping. What prompted the use of the plastic bullets? About the injury inflicted on the suspect. The injury was not so serious because the material or the bullet that we use. In the police nowadays, we don't use live bullets. We use what we call the rubber bullets. As you can see for yourself, we use a rubber bullet, that's why the injuries are not so serious. This enables us to... These are the rubber bullets that we use nowadays. We hardly use live bullets. That's why the injury on the suspect were so light. And that on the feet enables us, the police, to arrest the suspect without any serious injury. The rounds made by the crack team of the Public Security Forces and Equinox TV ended at the Lakentini Hospital, where about 7 cases of traumatized patients were recorded. Essentiellement, ce sont des cas de traumatisme. Essentially, we had cases of traumatized patients after an attack. We are having a total of about 7 to 6 of such cases, particularly those who were stabbed. Au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. Donc, deuxièmement, ce sont les accidents par de la voie publique, des AVP. Oui. In a whole, even though the team was not in some zones, other areas were tense and well managed by the public security crack team, alongside the different security officials who didn't sleep all through the night. And that's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.